Yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est, aujourd'hui c'est enfin mon premier match. C'est enfin le début de la saison pour nous les seniors des Black Lions. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va à Miramas, on va jouer contre les Bunks pour le tout premier match. On a trop hâte, on n'en peut plus d'attendre, ça fait trop longtemps qu'on a envie de jouer. On est parti, en plus je suis très en retard comme d'habitude, hein. Ça, on change pas les habitudes. Allez on y va, let's go. La chasse. Ah c'est bon, ça c'est chez vous. Montre-moi ce que tu veux. Tu sais qu'on a mal dans genre une heure. Tu viens de bouffer un poulet entier. Mais la dernière fois c'est pareil, l'entraînement c'est pareil. Il était dans la tête. C'est bon. Et toi Yann, ton sandwich? Voilà, ça fait mais... Je vais prendre le plat de poulet. Yann, t'es au courant que ça, en pré-match, c'est pas ouf? C'est pas grave. Ça me tue. Mais mec, il a démonté son poulet par contre, frère. C'est abusé. De quoi? Ah, il a pas mangé tout seul, tu l'as mangé avec lui? Ah, mais gros, on est récap. Tu fais un vlog? Ouais. Je vais sur YouTube après. Oh putain, l'aide quoi. On est dans la merde. C'est quoi, c'est... Ça, c'est les professionnels, ils ont toujours une routine d'avant-match. Il y a v'là la routine là quand même. Tu joues quoi, rappelle-moi? Comme quoi tu voudras. Hein. J'ai entendu ce qu'il vient de dire. En fait, moi j'ai été choqué parce qu'il vient de bouffer un poulet entier à une heure d'un match. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il m'a dit, il nous a dit, je fais un régime, je me mets fit les gars. Tu régime. Sais que c'est sur YouTube, hein, t'as entendu régime. La phrase. Hein. Non. Regarde, il transpire. Non. Il a mangé un poulet, il transpire le mec. Il m'étouffe en bouffant le blanc. Ouais. Ça craint les gars, ça craint de fou. Mais c'est que des protéines. Ouais, et le kebab que t'as mangé mercredi? Ouais, ça y est, je l'ai éliminé, fait caca 3 fois, moi. Hier, j'ai mangé une côte de bœuf de 1,5 kg, bon. En vrai, je dis ça, hier, j'ai été au match à Nîmes, j'ai bouffé un tacos 3 viandes, j'ai trop le seum. Allez, voilà. Mais Sako, il est au courant. Mais tu sais que j'ai trop le seum, hein. Il est dans son bureau et tout. Mais tu sais que je suis dégoûté, mec, hein. Je voulais trop... Après, je suis choqué, je rentre dans la salle. Sakou, il était à la porte là pour aller à la salle de visio. Je dis bonjour à tout le monde, il me dit dans mon bureau. Non, je suis je vais faire défense. Et l'autre, il me dit assieds-toi, je ferme la porte. Il me dit un tacos, 3 viandes. Il m'a dit lundi, t'as attaqué le régime. Mardi, t'as mangé un coup. Qu'on s'appelle une choucroute. Et mercredi, le tacos, 3 viandes. Il me dit tu me prends pour un con. Je me fais défoncer. Ah, en même temps, gros. Après, c'était bien. Bah oui, c'était mérité. Mais c'est justifié, gros. Ton régime, là. Du coup, il avance bien, là. Il avance bien, le régime, là. Franchement, Andouba. Oui. T'as des contractions, déjà, ou pas encore? Ça va commencer. Mets-toi de profil, vite fait, là. Mets-toi de profil, vite fait. Non. Non. Voilà. Sur le ventre. Sur le ventre. Oh ouais. On dit merci au monsieur le gardien qui est là. Merci. Enfin, le gardien, cousin, t'es en retard. Ça fait 1h30 qu'on t'attend. Ça va ou quoi? Frère, t'as pris un McDo pour manger? Bah bien sûr. Mais mec, on a un match dans Ah, dans 2 heures. Dans 1 heure, on a un match, frère, t'abuses. Vas-y, cousin, t'abuses de fou. Frère, mais c'est quoi ces joueurs? Y'en a un qui bouffe un poulet entier, l'autre il a bouffé McDo avant le match. Ah, demi-poulet, ils l'ont partagé à deux. Ah, demi-poulet? Ouais, demi. C'est chaud quand même, hein. Ah, demi, ça va. Demi, ça va, tu penses? Bah, viande blanche, ça va, hein. Ouais, ça passe. La team. Ça te dit quoi, QV? T'es chaud ou pas? Bien sûr. Toujours on est chaud. T'es chaud là, premier match de saison. Bien sûr mon pote. On va tout niquer ce soir. On va tout niquer mec. Nickel, c'est ça que Coach. Coach Paps. Bon, allez. On va se changer. On s'équipe. Et après je vous reprends pas, je crois. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle, hustle every single day. I've been making moves till I'm dead.
Rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. What was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. I'm willing to put in the hours it takes to get some power. Bon, les gars, on est à la mi-temps. Il y a 20 à 6 pour les Bucks de Miramas. Le match est un peu spécial, un peu compliqué pour nous pour l'instant pour la première mi-temps. On va essayer d'améliorer tout ça quand même deuxième mi-temps, ça serait cool. On est un peu tous remontés du coup. Mais on va voir ce que ça donne. Là c'est parti, on va reprendre du coup. J'essaie de pas trop filmer les à côté parce qu'on est tous très concentrés. Mais on essaie de filmer le plus de choses du match au moins, si ça peut déjà être utile. Et puis voilà, on est reparti des amis temps. Je vous avoue que j'ai plus trop de voix, j'ai pas mal crié aujourd'hui en vrai. Mais voilà, le match est fini comme vous avez pu voir. Premier match de l'année, première défaite. C'est un peu triste malheureusement. On perd 41 à 12 je crois, un truc comme ça. Donc en plus on perd de beaucoup. Un petit coup moral, mais ça va le faire pour les prochains matchs. On va remonter. Maintenant le premier match il est passé. On va voir pour la suite. On est tous bien sûr très motivés pour la suite. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vous avoue que je vais pas trop m'attarder sur l'outro parce que là j'ai plus de voix, je suis très fatigué. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.